Bonjour. As-tu besoin d'un message d'un être cher? Quelqu'un qui te manque? Quelqu'un qui tu voudrais poser une question? Alors ne zappe pas ce message. Je tiens juste à te rappeler que si aucun mot de ces messages ne te rappelle ton être cher, si rien ne résonne avec toi, laisse, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais si quelque chose remonte, dont des larmes de joie descendent tout seul, un rire spontané, un souvenir qui surgit et qui te fait du bien, alors prends, ça veut dire que ton être cher t'envoie un message. Allez, nous sommes partis et on va voir qu'est-ce que votre défunt a à vous dire. Le défunt qu'aujourd'hui se manifeste à travers ces messages, le sourire. Imaginez-vous votre défunt et voyez si ce message peut résonner avec ce qu'il pourrait vous dire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Certainement, votre défunt a vu que votre sourire s'est éteint. Probablement, vous traversez des épreuves difficiles. Probablement, vous êtes en plein deuil. Mais votre défunt vous demande de reprendre le goût à la vie, de rire à nouveau, de sourire, d'être joyeux, joyeuse. En fait, de vivre simplement. Je complimente. Continuez de rire. Votre être cher est toujours près de vous. Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Pour être heureux et être heureuse, pour affronter ce deuil, en tout cas pour affronter ces difficultés, votre défunt vous demande de retrouver cet équilibre, mais aussi de faire ce premier pas pour aller vers le bonheur, pour réapprendre à sourire, pour réapprendre à croire à la vie, à l'avenir, au bonheur. Montez, mes amis, voyez ces escaliers? Elles sont merveilleuses, elles sont fleuries, des étoiles vous accompagnent. On vous demande de monter, de ne pas rester en bas, regarder le passé, les souvenirs et les difficultés que vous rencontrez. Votre défunt vous demande de retrouver de l'harmonie dans vos relations, de l'amour et puis surtout un bel équilibre entre le matériel et les aspects aussi spirituels. La spiritualité est la connaissance de soi. Elle vous ouvre vraiment une vision à 360 degrés. Elle vous apprend à vous connaître, à vous connecter à la source, à votre moi supérieur. Mes amis, soyez dans la compassion pour vous-même. Si vous affrontez un deuil ou une situation difficile ou un être cher vous manque ou tout simplement vous avez besoin de cet encouragement de cette personne, que vous saviez que le reçu a employé les bons mots pour vous aider, et bien aujourd'hui cette personne vous dit d'avancer, d'oser, de faire ce premier pas pour aller chercher le bonheur, pour vous reconstruire, pour surmonter les difficultés que vous vivez, voire aussi pour surmonter ce deuil. Et la vie offre beaucoup d'opportunités et de possibilités pour être heureux, heureuse. Mais il faut que vous soyez prête à l'accueillir et que vous en aurez vraiment envie aussi. Il y a parfois des personnes qui abandonnent, ils n'y croient plus. Et là, on vous encourage en fait à aller de l'avant. On vous encourage à vous remettre debout. On vous encourage à faire ce petit pas qui vous permet de croire à un avenir plus radieux et pour que le bonheur puisse revenir dans votre vie. Alors, c'est un message très important, n'est-ce pas, de votre être cher. Et ce message peut être généralisé à beaucoup de personnes. Parce que tout être cher qui est parti de l'autre côté, bah de l'autre côté, il n'y a qu'amour, mes amis. Alors, on vous encourage vraiment de croire en la vie et de faire ce petit pas. Comme votre être cher l'a fait, il, elle, a accepté d'être retourné à la maison. Maintenant, il est en pleine lumière, elle ou il.
Il sourit, il rit, il veille sur vous, il vous envoie des signes que peut-être vous ne percevez pas. Mais en tout cas, il est temps que vous souriez, il est temps que vous faites ce premier pas pour pouvoir faire revenir l'amour, l'abondance et la joie dans votre vie. Belle journée à vous!